Hello, hello Queens. So, welcome back to my channel. This is Queens Beauty Channel. Et comme j'ai l'habitude de le dire, en France c'est facile, beauté de reine. So, I'm just happy, so happy. You have to believe that to do this video for you today because it's been a while. And when I tell you that I miss you so much, you have to believe that too. I miss you so much. Vous m'avez beaucoup manqué, you know. And today we are just going to talk about a specific soap, the Lika's papaya soap. So this video today is not to tell you about something else about the soap, because you guys know everything already. You guys know that this soap is just wonderful, it's just nice. So today I'm not going to talk about the soap, but I'm going to tell you how you can differentiate the original Lika's papaya soap from the fake one, c'est-à-dire la contrefaçon. Donc cette vidéo c'est juste pour ça, pour vous donner des petits éclaircissements par rapport au savon, par rapport à comment est-ce que vous allez reconnaître l'original de la contrefaçon en quelque sorte. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Alors, nous voici de retour. Voilà, je disais que j'allais vous montrer dans cette vidéo comment est-ce que vous allez différencier vos deux savons. Excusez-moi, vos savons Lika's Papaya. Et ici, j'ai deux savons Lika's Papaya différents, l'un de l'autre. Qui sont presque identiques, mais ils sont différents. Vous avez un avec un logo plutôt argenté et l'autre, celui-là avec un logo marron. Voilà. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir que le savon Lika's, en fait, c'est un savon d'origine philippin. Voilà, il est fabriqué en Philippines. Et c'est un savon qui est 100% naturel. Il est non éclaircissant, comme les gens ont l'habitude de le dire. C'est-à-dire, c'est vrai qu'il est éclaircissant, mais c'est pas blanchissant, ça ne dénature pas votre couleur de peau, ça va pas vous ça va pas faire en sorte que vous allez devenir jaune ou tout couleur, je sais pas. En tout cas, c'est ce genre de truc là, c'est un savon qui apporte juste de l'éclat à votre teint. Si vous avez un teint un peu terne, vous voulez amener juste un peu d'éclat, un peu de peps comme j'avais je le dis, voilà, ce savon est juste parfait, il est juste bien pour vous. Et sa composition principale, il est constitué de coate de sodium, de glycérine et de Carica papaya, c'est-à-dire c'est le fruit d'extraction en fait. Fruit d'extraction, c'est à base en fait de ce produit là en fait, c'est la papaye où ils ont fait qu'ils ont extrait qui fabrique le savon en fait. Donc voilà, je voulais vous dire, quand vous achetez votre savon, déjà faut déjà être sûr de l'endroit où vous l'achetez. Il faudrait que l'endroit où vous achetez vos savons, ce soit un endroit sûr, que ce soit une personne de confiance à qui vous faites confiance. Voilà, une revendeuse de confiance. Voilà, vous pouvez acheter le savon là-bas. Et deuxièmement, surtout, je vais vous montrer comment est-ce que vous allez pouvoir reconnaître, savoir que celui-ci c'est le bon, celui-ci c'est le mauvais. La première des choses à savoir, quand vous achetez votre savon, il faut regarder l'emballage du savon, le carton en fait. Le carton contient des sortes d'hologrammes. C'est-à-dire que si vous faites ça par rapport à lumière, vous allez voir les hologrammes défiler, sont des sortes de brillances de façon verticale là, défiler sur l'emballage de carton. Celui-ci, il y en a. Je ne sais pas si vous allez voir à travers la caméra, mais il y en a. Et celui-là aussi, il en a aussi. C'est ça en fait le truc le plus dingue en fait, il en a aussi. Mais bon, c'est pas grave. Il y a une deuxième des choses à rechercher, c'est le logo. Normalement, le logo du vrai Lika's, il est argenté. Il est argenté comme celui-là et non marron. Et maintenant, en plus d'être argenté, il n'est pas seulement argenté. Vous allez voir en fait que sur ce logo, en fait, il y a une dame qui est au fond. Il y a une dame qui est là. Et en plus d'avoir la dame, vous avez l'hologramme. Voilà, vous avez des hologrammes
marqué l'ICAS en arrière. Voilà, sur ce logo-là. Vous avez des hologrammes marqués l'ICAS en arrière. Donc, s'il n'y a pas ça, n'achetez pas parce que ce n'est pas le bon. Et ça, c'est la deuxième des choses qu'il faut rechercher. Celui-ci, vous voyez, le logo, en fait, il est marron. Mais je ne dirais pas que c'est le faux en tant que tel. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, celui-ci, celui avec le logo marron, c'est en fait, c'est l'ancien stock. C'est l'ancien stock. Normalement, il y a une troisième représentation que j'ai pas. Je vous envoie la photo. Elle est là. Donc, voilà. Revenons. Je disais que celui-ci, il n'est pas mauvais en tant que tel. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est l'ancien stock. C'est-à-dire au début des années 2017, la marque, en fait, a décidé de changer. De changer le produit, de rénover, et ils ont rénové presque, ils ont rénové tout et même l'emballage. Donc depuis 2000, c'est ce logo ci qui est disponible depuis 2017, qui était reconnu. Et maintenant, la troisième des choses qu'il faut rechercher, c'est sur le S du Lucas. Sur le S du Lucas, si vous regardez bien, que vous tournez un peu par rapport à la lumière, vous allez voir qu'il y a une sorte d'hologramme. Aussi un sorte de design, c'est pas un sorte de dessin, c'est en rouge, c'est un peu rouge là sur le savon, sur le S, et aussi là, voilà, devant ici, ils ont écrit skin whitening herbal bath soap for face and body, alors que dans l'ancien c'était juste écrit skin whitening herbal soap. Donc, c'est ça. Et maintenant, si on revient sur les côtés, comme ça, vous voyez, là, vous avez une sorte de logo ici et une sorte de papier là. Et ici, vous n'avez rien. Là, c'est le bon. Et là, c'est pas le bon. Donc, dans la nouvelle... dans le nouveau savon, ils ont mis ils ont décidé en fait de mettre la date de péremption. Vous regardez la date de péremption, la date de fabrication qui est là, de votre savon. Assurez-vous que vous êtes toujours dans les normes, quoi, que d'acheter un savon périmé. Voilà, ça peut être le bon, mais ça peut être périmé. Ici, dans le nouveau modèle, ils le mettent sur le côté, alors que dans l'ancien, ils le mettent sur la face avant. Donc, la date de péremption est là, quelque part en avant. Et ça, c'est ce qu'il faut savoir. Maintenant aussi, il y en a aussi, voilà, quand vous tournez le derrière, l'arrière du savon, vous voyez, vous avez ici ce papier là qui est grand, plutôt grand, et là ici les petits, plutôt petits. Donc ce qu'il faut savoir, c'est quoi, c'est qu'en fait ça c'est un numéro, en fait on peut dire un numéro de série, une sorte de numéro de série. Et en fait ce numéro de série, en fait il est identique sur tous les savons Lucas Papaya. Il est identique sur tous les savons. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et il faut aussi savoir que là, en fait, ce papier là, en fait, je sais pas, c'est pas un papier, mais en fait ça peut être collé. Il y a des machines qui font ça, même les gens qui ont des boutiques, ils ont des machines pour ça, ils peuvent vous mettre ça. Mais en fait, des fois faut se connaître le numéro. Moi, si vous ne connaissez pas le numéro, essayez au moins d'être rassuré par rapport à là où vous l'achetez, c'est-à-dire la personne chez qui vous l'achetez, que ce soit une personne de confiance. Donc voilà, c'est un numéro qui est identique, alors que là vous pouvez avoir un numéro différent. Donc c'est ça. Et aussi il y a encore autre chose à savoir, c'est là en bas, en dessous.
En fait, le savon Lika, en fait, c'est un savon, puisqu'il est, c'est un savon de renommée, qui est bien connu, tout le monde le sait. Voilà, c'est un savon qui a reçu beaucoup d'awards. Voilà, pour ses bienfaits, pour le travail, le laboratoire, j'ai reçu beaucoup d'awards. Donc, et sur là, sur l'emballage du carton, ils ont mis les représentations, les médailles qu'ils ont eues, les récompenses qu'ils ont eues. Et en fait, dans le nouveau modèle, depuis 2017, ils ont reçu, à partir de 2017, ils ont reçu, en plus des 7 awards qu'ils avaient, ils ont reçu en plus 2 autres awards. Et c'est ça qui se retrouve là. C'est pour ça que dans le nouveau emballage, vous allez retrouver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, 10. Et alors que dans l'ancien, c'est juste 7. 4, 6, voilà. Dans l'ancien, c'est 7. Il y en a juste un là, au milieu. Alors que dans le nouveau, vous avez, en plus d'avoir les médailles de l'ancien, vous avez ceux-là, les deux. Donc, voilà, c'est ça. Et aussi, il faut aussi savoir que vous pouvez avoir un emballage presque parfait, très bien, vous ne trouvez aucun inconvénient, aucun hic quoi. Mais il faut aussi savoir reconnaître le savon en lui-même, parce que le savon lui-même, il a des particularités. Celui-là, je l'avais acheté, je m'étais fait arnaquer. Donc, je ne l'ai plus. Donc, je ne peux pas savoir. Je ne peux plus me rappeler de comment est-ce qu'il était avant. Mais là, j'ai le nouveau. Depuis que j'ai su où acheter le nouveau. Voilà, j'ai le nouveau. Je vais l'ouvrir. Parce que celui que j'ai, il est déjà utilisé. Donc, je ne peux pas vous montrer. Je vous montre celui-là. Excusez, 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 excusez. Tant que j'ouvre. Voilà, l'odeur, franchement, il ne sent pas mauvais, il ne sent pas très bon non plus. Ça a juste une odeur très douce, agréable. Voilà, ça sent pas mal, ça sent bon. L'odeur en fait est très douce. C'est pas une odeur forte qui frappe directement, par exemple, comme le doudou Osun. Dès que vous l'ouvrez, vous ressentez directement, vous savez que oui, ça c'est le doudou Osun. Voilà, ça c'est ça, le savon liquide, c'est juste. Une odeur douce. Et sa couleur, il est orangé. Pas orange foncé, pas orange vraiment très clair. Il est juste orangé, juste simplement. Si vous voyez les savons Lika de couleur très très foncée, il faut vous dire, c'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est la contrefaçon, c'est pas le bon. Et en arrière, il y a le logo. Il y a le logo en fait de la marque en arrière. Vous le trouvez là. Donc il y a le logo Lika qui est là en arrière et c'est juste ça. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire très attention. Sinon vous pouvez avoir comme je l'ai dit hein, vous pouvez avoir un savon Lika où l'emballage est bien, mais le savon en lui-même c'est du fake. Parce que de nos jours il y en a tout. Il y a les cartons là, quand vous finissez d'utiliser, vous jetez. Mais il y a les gens qui utilisent ça, il y a les gens qui, en bas de chez vous, dans vos poubelles, qui ramassent et vont recycler des trucs. Donc, c'est pour ça que je dis, il faut faire très attention. Donc, voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous allez désormais, grâce à cette vidéo, vous allez savoir comment reconnaître. Le bon Lika, le mauvais Lika. Et je vous invite encore une fois de plus à me mettre vos petits pouces, vous abonner à la page, partager à vos amis, à votre famille, vos frères, vos soeurs et tout, vos copines, pour que invitez beaucoup de quiz. Je vous aime, je vous adore et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.